Sympa la petite musique. Jérémy, c'est le pied. Dehors. Désolé, t'es con quoi. Qu'est-ce que vous avez dit? On est déjà là depuis une heure. Ou quoi? Tu sais pas qui je suis? Ok. Alors là, on va faire un petit truc. Ça va, tout va bien. Tenez, prenez-en un autre. C'est ici, c'est un truc, voilà. Les règles sont simples. Vous vous mettez en position et vous tuez toutes les créatures. Si vous y arrivez avant le signal, vous pouvez empocher vos gains. En gros, je vous montrais. C'est un petit mini-jeu sympa. Je les ai aiguisés moi-même. Ils sont parfaits pour se raser. Vous êtes prêts? Je les ai testés. Pareil qui touchera que dalle. Qui me suit? On dirait que j'avais maintenu un flingue. Il devrait être un qui touche un truc. Je suis même d'accord pour trois. Bon, et voilà. Voilà, c'est un petit mini-jeu où vous pouvez gagner des munitions comme ça. Super, voilà votre gain. Montez la mise. Donc on peut monter la mise et ça, mais bon. Ouais, c'est juste pour vous montrer. Hein. Chut, ça va, mon poussin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon nounours. Calme-toi, mon chéri. Alors, là ici on peut voir quelqu'un de pas doué qui tire sur des rats. Et il rate tous ses tirs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le bordel. Enfin, ce qui nous intéresse. Ne faites pas de mal aux filles. Là, on peut s'asseoir, voilà. Tu devrais rejoindre le Bolshoï. On peut regarder, on peut miser. On peut partir. C'est ce que je vais faire parce que on n'est pas là pour ça. Mets mes balles. Adresse-toi à ton Mac, dégage. Pavel. On n'a pas de Mac ici. Crache le pognon. T'es malade? Ils sont amis avec Kisly. T'en es certaine? Super. Je vais devoir servir ses amis gratos et devrais lui filer sa part. La deuxième petite note que je vous offre. J'ai ma claque de cette vie. Très bien, on s'est bien amusé, il est temps de bosser. D'abord, on paye Kisly, et tu vas vite voir le camarade Corbut. Tu lui dis que le conteneur du virus a bien été livré à Optiabroskaya. Eh, mon joli! Allons-y, le travail nous appelle. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui ne va pas? Ça me paraît pas correct. On a signé leur arrêt de mort. T'as trop hâte de me toucher, hein? Pas vrai, mon chaton? Si t'es tellement pressé. Donc là, on peut que tu veux comme danse, faire des choses, mais il faut payer, donc moi ça m'intéresse. Allez, pas. Sois pas timide. C'est tout? Moi, je veux retrouver Pavel. Si tu veux revenir, j'irai. Et pour retrouver Pavel, faut trouver la route déjà. Je sais pas par où c'est par contre. Ah, ici on peut récupérer des munitions aussi et en vendre. F. Vous trouverez pas mieux ailleurs. J'ai tout récolté moi-même et c'est pas cher. Non, vous ne pourrez pas emporter plus. Essayez autre chose. Il y a des mines, des clémores. Ces mines, c'est les meilleures pour les embuscades. Si jamais vous avez besoin de moi. Vous savez où me trouver. C'est l'occasion de trouver votre habileté. Alors, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Ah, tiens. Échanger. Non. Ouais, rien d'intéressant. Au revoir. À la prochaine. C'est par ici qu'il faut qu'on aille, nous. On n'aura pas de problème. Ça va partir juste de temps de prendre un petit verre. Personne ne saura. Là, on est caché. Hop, j'éteins la lumière. Donc là, en fait, là, vous savez, au début, là, il y avait un mec qui s'appelait Simon et qui voulait qu'on vide un hangar de bandits. Eh bien, on est tout simplement dans le hangar de bandits là.
Là, il y a un mec qui va venir voir pour la lumière. Hein ? C'était quoi ça ? Voilà. Ça en fait déjà deux en moins. Là, il y a un mec. Alors, comme on peut voir, il est tout seul, donc le tuer n'est pas dérangeant. Sachant qu'on peut éteindre les lumières. C'est bon. Ici. Tu vois ce type avec le casque ? Il nous a filé une valise la dernière fois qu'il est venu. Et Kisly l'a envoyé à aucun Broskaya. Il a dit que c'était plein de prospectus pour les ouvriers. Prospectus, mon cul ! La valise avait un verrou. Alors, il y avait quoi dedans ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Voilà. Et c'est son fusil là. Son fusil là, il m'intéresse. C'était celui que j'avais dans Metro 2033. Et c'est mon préféré parce qu'il a le plus de balles. Et donc c'est cool. Alors là, il y a plein de monde. Donc faut ruser. Putain, qu'est-ce que tu cherches ? J'ai dit à Nadia que je lui trouverais un tableau. Mais ces saloperies sont grandes. Je veux pas recouvrir un mur entier. Découpe juste ce qui te plaît et qu'on en finisse. Ouais, bonne idée. Je vais trouver un truc sympa. Il va découper un tableau. N'importe quoi. J'ai un peu paniqué parce que il y avait un mec qui était là et qui tourne aussi. Il est là, il est là. Voilà, lui c'est bon. Voilà, on peut passer. Eux ils rigolent bien, ils s'amusent. On s'en fout. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quel choix ils avaient ? Ils ont rampé, c'est tout. Allez hop, on avance. Eux c'est les seuls qu'on va pas tuer en fait. Quand est-ce qu'on va pouvoir la goûter ? On peut plus d'attendre. Faudra bien pourtant. Ça commence juste à se condenser. Allez, allez, allez. J'ai un œil, ça mord pas. Je vais accrocher. M'en fous, j'ai besoin d'un verre. Attends un voilà. Peu, Spiria. C'est quoi cette histoire de filtre ? C'est juste un filtre de masque à gaz. C'est à cause de leur mou. Il empeste. Mais le filtre peut se charger de tout ça. Eux non plus, on va pas les tuer. C'est des conneries. Pas la peine de gâcher un bon filtre et de faire attendre encore les gars. Ok, vous prenez, hein ? On avait un accord. En plus, s'il voudrait vos prospectus, on les a emportés. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Lui, c'était cadeau. Il n'y avait pas forcément besoin, mais... Allez. On lâche son arme. Main derrière la tête. Eh bien, quelle rencontre inattendue. On cherche le sombre, hein? Peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi, Hippolis. Mais c'est trop tard. Les sombres sont très forts. Le camarade Corbut va en coincer depuis longtemps. Imagine si on les dresse et si on les lâche sur l'ennemi. Hey, doucement, doucement, d'accord, j'ai perdu. Et maintenant, tu cherchais le sombre, pas vrai? Il est tout prêt, à Optia Broskaya. Je peux t'y amener. Pas d'embrouille cette fois.
T'as ma parole. Tout le monde à terre, vite! Artyom! Non! Merde! Il s'est enfui! Pourquoi t'as attaqué l'entrepôt tout seul? T'aurais dû essayer de m'appeler! Bon. T'as réussi. Mais tu vas devoir dégager de là en vitesse! Je connais une issue qui mène à la surface. Il y a un marais. Mais on peut le traverser. Allons-y. Et je crois que je vais m'arrêter une fois sorti, tout simplement parce que le marais c'est pas l'endroit que je préfère et je préfère le faire à tête reposée, on va dire. Allez, pousse, 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 pousse. Poussez, madame, poussez. Allez, hop, je peux passer. Là, je vais devoir mettre cette combinaison. Normalement. Enfile ça, c'est pour les bandits. Bon, il n'y a plus rien à ramasser. Bon, on y va. Et voilà. Avec un peu de chance, les nôtres m'attendront à l'avant-poste dans l'église abandonnée. Je leur dirai tout ce que je sais. Sur Pavel. Sur une sorte de test auquel ils vont procéder. Et puis je poursuivrai ma route vers Octia Boskaya. Le sombre est là-bas. Donc j'espère que cette session de jeu, plutôt courte je crois, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, commenter ou à vous abonner. Vous n'êtes pas nombreux, donc allez-y, c'est le moment de parler avec moi. Si vous voulez poser des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter, c'est dans la description, et Twitch, donc comme je le disais, c'est aussi dans la description maintenant toutes les vidéos. Et vous pouvez aller voir les autres vidéos. J'ai normalement, enfin je sais pas si ça sera déjà sorti, mais j'ai des petits concepts de vidéos en tête, donc voilà, ça peut être intéressant. Sur ce, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, bye bye.